la question, c'est quoi? Mais il n'y a pas de question. Aujourd'hui, politiquement, on a le sentiment que votre image... Oui, c'était pas là-dessus qu'il allait vous interroger. Mais je m'en fous. Laissez-le poser sa question. Il n'y a aucune valeur à ces questions, ce sont des clichés dégueulasses. Mais c'est vous qui décidez de la valeur des questions. Vous savez que j'ai fait Médecins sans frontières et Médecins du monde. Et je vous en félicite. Que c'est quand même autre chose. Et je vous en félicite. Mais non, vous m'en félicitez pas. Vous n'arrêtez pas de dire saloperie. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour le week-end? Il faut que ça danse surtout. Il faut que ça ne bouge. Attends, je et là, il faut danser dans les salons, tous les samedis. Il faut danser dans toutes les chaumières. Je suis dégoûtée. Quand vous regardez Stéphane Bern, oui. Vous n'avez pas envie de lui tirer la pipe? Pardon. Tirer la pipe chez nous, j'imagine bien que ça ne veut pas dire la même chose que chez vous. Mais tirer la pipe, ça veut dire te chambrer un peu, te faire marcher sur des trucs. Ça, il adore ça en plus quand j'adore on tire la pipe. J'adore tirer la pipe. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. C'est... Ah oui. Allez-y, allez-y. Vous voulez me taper? Non, bah ouais. Ah non. Non, vraiment. Allez-y. Allez, on y va. Essaie de me toucher. Allez, faut y aller, faut me taper. Ouais. Et là, vous avez vu la technique, c'est que vous me laissez m'épuiser, en fait. Exactement. Il y a un autre pseudo-candidat, Secret Story, c'est une surprise, hein, qui viendra nous rejoindre sur le plateau dans un instant. Je vous en dis pas plus, si ce n'est qu'il n'a pas sa langue dans la bouche, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la poche. Merci à tous, ça a été un vrai bonheur. Évidemment, vous allez tous le manquer, l'équipe, l'émission, et le public, vous avez été parfait, et je vous kiffe, je vous aime, et je vous remercie tous du fond du cœur. Là, je pars alors que je le mérite pas, alors que j'ai rien fait, alors que rien ne dépend de moi. Je trouve ça super injuste. Et je me bats, toute ma vie je me bats pour la justice. Là c'est trop...